Alors oui, effectivement, devant vous, vous avez le fan d'une équipe qui s'appelle l'Olympique Lyonnais, l'horrible Olympique Lyonnais mené par le vil Rudy Garcia, qui a fait 1-1 contre l'Olympique de Marseille en étant à 11 contre 10 pendant 70 minutes. Alors vous doutez bien, je fais pas ici un débrief de match, donc je vais pas vous parler d'arbitrage ou de tactique de football et de pourquoi est-ce que l'OL pue la merde. Je tiens juste à quand même rappeler que vous êtes sur la chaîne YouTube de quelqu'un qui est passé à l'After RMC et qui s'est fait vanner par Gilbert Bribois devant toute la France. Zach Nani est avec nous. Dis-moi, Zach, toi qui es très suivi là, sur un peu tous les supports, c'est Claudio qui est en train de je constate quand même que quand tu parles de foot, tu te fais moins allumer que quand tu parles de rap. Hein. Disons que je vais rester à mes premières passions qui sont le football et l'Olympique Lyonnais, et que la prochaine fois on va éviter de donner des avis musique, même si c'était pour rigoler. Et ça, je trouve qu'en termes de contenu exclusif, c'est quand même quelque chose d'assez dingue, voyez-vous. Bon, aujourd'hui, je fais scandale, je suis scandalisé, je suis pas content. Pourquoi est-ce que je suis pas content, direz-vous? Parce que devant vous, vous avez également quelqu'un qui fait des vidéos depuis 5 ans maintenant, qui a plus de 650 vidéos à son actif, et peut-être que plus des deux tiers est dédié à Call of Duty. Je dirais que j'ai peut-être 400 à 500 vidéos sur Call of Duty, dont plus de 50 sur Modern Warfare. Donc disons que j'ai fait ma part et que j'ai bien mangé dans cette licence qui me fait plaisir et que je connais depuis des années. Sauf que je suis vexé. Je suis vexé comme quand ton meilleur pote oublie de t'inviter à son mariage. Sauf que peut-être du coup, c'est peut-être pas ton meilleur pote, tu vois. L'exemple est un petit peu rude. Pourquoi est-ce que je suis vexé? Bah parce que depuis plusieurs années, j'ai été invité à découvrir les nouveaux Call of Duty en avance. J'ai pu être à Los Angeles. À chaque sortie de vidéo de nouveaux codes depuis 4 ans, je fais une vidéo par jour pendant un mois. Tout ça, ça fonctionne bien. Sans me la péter, je pense que je suis un des plus gros créateurs Call of Duty en France et c'est normal. Et ce plus gros créateur Call of Duty n'a toujours pas de code créateur. N'a toujours pas de code créateur, j'ai le seum. Alors, bien sûr, je ne remets pas en cause la légitimité de ceux qui l'ont déjà. Sauf que merci de m'avoir invité pour jouer au nouveau Call of Duty à Los Angeles dans des chambres d'hôtel luxueuses, ainsi de suite. Par contre, dès qu'il faut venir faire un petit billet avec Zach, dès qu'il peut enfin toucher le fruit de son travail depuis des années, on lit. Ignore. Ah, c'est horrible. Ah, je te jure, on dirait comme quand tes potes font soirée sans toi sans rien te dire. Je me suis senti lésé. J'espère qu'un jour je pourrai vous dire code créateur Zach Nani, les gars, avant la sortie de Black Ops Cold War, ce serait bien. Parce que moi aussi, j'ai envie de croquer dans le gâteau, figurez-vous. Bon, aujourd'hui, on va sur Modern Warfare, t'as compris. Il y a Activision qui a encore laissé passer une énorme connerie, donc je me dis autant essayer d'en profiter un peu avant qu'ils arrêtent, enfin qu'ils la patchent peut-être à un moment. Quoique, ils ont bien laissé la Bruenne et l'Origine 12 pendant bien longtemps. Donc, trêve d'intro trop grande et allons-y, c'est parti. Let's go! Alors si vous me voyez aussi beau ce matin, si j'ai mis ma meilleure chemise, c'est pas que pour hurler au niveau du code créateur, c'est aussi et surtout parce que j'ai Zach en roue libre aujourd'hui et donc il a fallu que... Voilà, regardez le bullshit! Regardez le bullshit qu'ils ont mis, les gars. Ils ont permis, en fait, de mettre un chargeur de 10 balles sur l'AS-Val qui permet de tirer à travers. Je pense que vous avez tous regardé la vidéo de Skyrose ou d'autres personnes à ce sujet, surtout sur Warzone. Sauf que, voyez-vous, par rapport à Warzone, il n'y a effectivement pas... Attends. Ah, j'ai vu personne. Il n'y a effectivement pas de shred, enfin d'armure sur le multi, donc du coup c'est encore pire que sur Warzone. Cette arme là en multi te tue directement, ça doit être putain d'infâme. Donc oui, non, si j'ai mis une chemise c'est que je tourne ce matin. I have my emission, j'ai Zach en roue libre. I have my emission, I have my show, mes frères. Donc on se met beau gosse, moi j'ai juré. Ok, super, ça se passe bien, regardez. Hop, peut-être là à travers le mur. Oh, j'ai... Attends, ok, personne là. Ok, personne là. Ok, touché. Aïe. Ok, super, petit kill encore à travers le mur, c'est bien, ça enchaîne. Encore un kill, les amis. Hop là là là. Oh, super, petit drone. En fait, il y a quelques mois, j'avais fait une Zach en roue libre avec autre chose qu'une chemise et depuis mon père m'a fait la remarque. Donc quand ton père qui n'y connaît rien au gaming est prêt à te faire une remarque vis-à-vis de comment t'es habillé, c'est que c'est vraiment la haine. Donc depuis j'ai dit ok, la tête de WAM, j'y vais toujours en chemise, beau gosse tu vois. Donc aujourd'hui vous avez un Zach de qualité, un Zach HD. Hop là, petit kill, encore. Hop là, petit double. Je sais qu'ils vont être par là les coquins. Oh, c'est terrible, j'ai perdu sa trace malheureusement, mais tiens, petite grenade, ça devrait faire son effet. Non, pas du tout. Hop là, encore un kill, super. Maybe un autre.
Oh, j'ai eu peur. Oh, le petit coquin. Non ! Ce jeu est plein de coquins de bon matin ! Hop là, encore un petit kill à travers l'EM. Hop là, monsieur ! Je prends du plaisir avec cette arme cheatée. J'ai l'impression que je suis un wallhacker. En plus, je me suis mis une petite classe setup pour avoir justement souvent la grenade qui permet de voir à travers les murs. La grenade sensorielle. Donc regardez ce qu'on va faire, c'est que on va arriver. Aïe, 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 aïe. Aïe. Hop. Premier kill. Super. Et là, regarde, tu combines ça avec les munitions à pouvoir d'arrêt, et là, t'es vraiment sur un état de lourdeur absolument rarement vu. Hein. Munitions de cheaté plus munitions à pouvoir d'arrêt, disons que là, je suis censé tuer en une balle, normalement. Hop là, mais j'ai mis une balle. J'ai mis une balle, c'est honteux. J'ai mis une balle, c'est la honte! Dans une vidéo, je vous avais dit que la saison des raclettes était lancée du côté de chez Zach. C'est très très grave. Là, à cause de certaines règles pour le coronavirus, tout ça, machin... Attends, attends, attends. Allez, tire, 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 tire! Zach le cheater, les gars. Petit drone. Et en fait, ces dernières semaines, je m'étais... Oh non, fils de pute, le sniper du fond! C'est toujours le sniper du fond! Toujours! Hop là! L'ennemi s'est emparé de rien du tout. L'ennemi s'est emparé de rien du tout. Hop, petite greux. C'est des bâtards! Y'en a, il contre ma tactique, il a mis un truc contre les grenades, du coup je le vois pas quand je le touche. Ah, laissez-moi profiter de mon arme cheatée. Hop là, super. J'ai des mineurs. Et là, regardez, dans quelques instants, j'ai... Hey, je ferme la porte, regarde. Je ferme la porte, là, ils sont à ma droite. Et là, regardez, dans quelques instants, j'ai la grenade sensorielle. Petite grenade sensorielle, là. Normalement, je touche quelqu'un. La technique est démoniaque! La technique est démoniaque! Ah, je suis mort, c'est honteux. Activision, vous êtes honteux. C'est honteux qu'un truc comme ça puisse être dans le jeu. C'est vraiment n'importe quoi, mais moi j'adore l'exploiter. Donc en ce moment, je me faisais un petit défi à la salle, etc. Et franchement, fils de pute, franchement, je le suivais bien, tout se passait bien, tout roulait bien. Puis malheureusement, je me suis fait mal, hein, je vous l'avais dit. Je me suis fait une sorte de petite entorse, voyez-vous, c'est des choses qui arrivent. Attends, attends. Personne. Et suite à ça, plus les salles fermées, je me suis reparti. En fait, ça a servi à me décharger la conscience pour pouvoir faire n'importe quoi. Donc ces derniers jours, je vous avais parlé d'une raclette. Mais s'il n'y avait que raclette, je pense que ça irait encore à peu près. Je me suis tapé raclette, tacos... T'es nul, t'es très très nul toi. Pizza, hot dog fait maison. Hot dog fait maison, les gars, on se refuse rien chez Zach Nani. Ah, j'ai pas pu le toucher. Et ça, c'est aussi l'avantage que t'as quand tu te sens bien dans ta peau et que tu n'essayes pas de faire du sport pour maigrir. En ce moment, j'ai maigri, puis j'ai repris du poids, puis je grossis, puis je suis bien. Je me nourris des mecs qui me détestent. Mais bon, apparemment, c'est pas que des mecs qui me détestent, vu que... Mais on peut tout camoufler ça en mettant une chemise et un pull. C'est réellement l'attirail de l'escroc qui arrive à faire passer sa laideur avec quelques habits qui sont, ma foi, très sexy. Bon, petit gameplay sympathique, 26 kills. On est top fragueur de la game, ça me fait plaisir. J'ai pu vous montrer un petit truc cheaté. Malheureusement, j'aurais eu qu'un drone, mais c'était quand même bien marrant, cette petite tactique. Et je tiens quand même à dire que c'est honteux. Du coup, je peux appeler ma vidéo « C'est honteux » sans aucun souci. Pourquoi est-ce que c'est honteux? Bah, d'une, parce que j'ai pas de code créateur. Et de deux, parce que cette arme, c'est absolument n'importe quoi, surtout combinée à des munitions pouvoir d'arrêt. Activision, réglez ça, bande d'escrocs. Bon, c'est pas tout ça, il est 10h43, j'ai montré à 11h26. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, petit pouce bleu. La vidéo est un peu courte, mais c'est pas grave, au moins ça me permet de tenir le rythme et de vous en sortir une régulièrement. Si vous avez bien kiffé, bah écoutez, tant mieux, on se voit dans quelques jours. Il y a un petit Z-Story en plus qui est prévu. Et je vous dis à la prochaine les amis, bisous.